Où sont passés Bob et Miguel? Ils vont rater l'entraînement. Notre ami Bob pense que la mouche dorée géante existe. Il est parti à sa recherche avec Miguel. N'importe quoi. Tant pis, on commence sans eux. La technique que je vais vous apprendre peut vous sauver la vie. Elle s'appelle la danse du bousier. Elle s'articule en trois séquences. Démonstration. Taper, rouler, frapper. Ah ouais, mais le but c'est quoi? Faire mourir de rire l'adversaire. Tu n'imagines pas la puissance que peut déchaîner cette technique ancestrale, Gilbert. Approche, tu vas apprendre les mouvements. Allez-y, Gilbert, déchaînez votre puissance. Alors, qui pourrait m'aider? Pas lui, trop petit. Ni lui, trop maigre. Là, c'est dans cet arbre que j'ai aperçu sa silhouette. La mouche dorée géante, la plus délicieuse de toutes les mouches. Miguel pas aimé les mouches. Miguel préférait banane. En voilà un qui va faire l'affaire. La voilà. Bon, on fait comme on a dit. À mon signal, tu me lances vers elle, ok? Tu te souviens du signal, Miguel? Non. Miguel oublié. C'est top. Quand je te dirai top... C'est le signal. Tu me lanceras. Je suis Nostraminus. Je t'attendais. Nostratitus attendait Miguel? Oui. Je peux lire dans ton esprit. Et tu t'appelles Miguel, n'est-ce pas? Oh, comment Nostratitus devinait? Miguel pas dit à Nostratitus comment Miguel s'appelait. Donne-moi ta main et je te dirai ton avenir, Miguel. Oh! Je vois des bananes. Oh, Miguel aimait bananes. Je vois un gros tas de bananes. Oh, Miguel aimait gros tas de bananes. Mais pour les avoir, tu devras faire tout ce que je te dis. Suis-moi. Mais Miguel doit attendre Copain Crapaud. Ton ami t'attendra. Il a trouvé la reine des mouches. Il a accompli son destin. Avec mes plumes, je suis la plus belle. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites là? Rien. Je vous avais pris pour une mouche. Fausse alerte, Miguel. On rentre. Miguel. Allez, vas-y, Gilbert. Bien énergique. Tapez, roulez, frappez. Tapez. Gilbert. Roulez. Frappez. La danse du bousier attendra. Le devoir nous appelle. Les as de la jungle. À la rescousse. Bonne mission. Alors les amis, dites-moi ce qui... Bob! Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai perdu Miguel, je l'ai perdu, il a disparu. Oh non, j'espère qu'il lui est rien arrivé. Montre-nous l'endroit où il a disparu. C'est ici, il était là et pouf, il était plus là. Les indices sont bien maigres. Avec mes plumes, je suis la plus belle. S'il vous plaît. Vous n'avez pas vu un gros gorille bleu? À mon avis, il est au combat. Le combat? Mais quel combat? Le combat du plus fort de la jungle. Tout le monde va y assister aujourd'hui. C'est dans une clairière, pas très loin d'ici. Avec mes plumes. Allons voir ça. Il est où le gros tête de banane? Allez, allez, tentez votre chance à relever le défi du plus fort de la jungle! Montez sur le ring et affrontez El Popo! Le premier d'entre vous qui réussira à pousser El Popo hors du ring gagnera la ceinture du plus fort de la jungle! Ainsi que ce magnifique lot de bananes. Mon ami va relever le défi. Oui, Miguel veut les bananes. Là, c'est Miguel. Oh non, il va combattre.
Miguel, non! Miguel veut les bananes, monsieur Maurice! Salut, copain hippo! Miguel va te taper! Taper, taper, taper! Chargez! Bravo, Miguel! Vas-y, Miguel! Vas-y, Miguel! Vas-y, Miguel! Un petit malin! Miguel, faire tomber, copain popotable! Taper, taper, taper! Taper, pas marcher! Alors, qui c'est le plus fort de la jungle? Eh ben, c'est quoi? Il va retenter sa chance, il va retenter sa chance! Je refuse! Miguel rentre avec nous! Monsieur Maurice! Si tu abandonnes, Miguel, tu n'auras jamais le gros tas de bananes! Mais tu n'as pas besoin de te battre pour gagner des bananes, Miguel! Ouais, viens, on va aller t'en cueillir. D'accord, copain crapaud. Attendez! Attendez! Oui? Et tremblez, car les pouvoirs de Nostraminus sont immenses! Et si vous partez, le ciel s'abattra sur vous! Le ciel s'abattra sur vous! Moi, je la sortirai, celle-là! S'il vous plaît, ne partez pas! Aidez-moi! Pourquoi on t'aiderait, Nostraminus? Tu as manipulé notre ami! Je pensais que Miguel gagnerait le défi pour que ses casse-pieds m'écoutent! Qu'ils vous écoutent? Mais pour leur dire quoi? Pour leur dire de partir! Ils organisent le défi du plus fort de la jungle tous les ans, juste sous mon arbre. Ils font un boucan pas possible. Ah, ben on a le même problème. Moi aussi, j'ai plein de casse-pieds sous mon arbre. Mais c'est un enfer. Je n'arrive plus à dormir. Avec le vacarme de ces brutes, tous les insectes dont je me nourris ont fui et mes amis n'osent même plus venir me voir. J'ai bien essayé de les convaincre de partir, mais ça n'a pas marché. Partez ou la terre s'ouvrira sous vos pieds. Partez ou le ciel va vous tomber sur la tête. Oui, 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 oui. Partez. Oh, le pauvre. Comme je vous plains. Qu'est-ce que vous en pensez? Maurice, il y a des casse-pieds sous son arbre. Très bien, nous allons t'aider. Merci, grand guerrier tigre. Mais c'est toi qui vas combattre El Popo. Hein, moi? Oui, je vais t'enseigner une technique ancestrale, la danse du bousier. Roulez, frappez! Chargez! J'y vois plus rien! J'y vois plus rien! Vas-y, Nostraminus! Roulez, frappez! Roulez! Je vais t'écraser! Frappez! Allez, Nostraminus! Il a vaincu El Popo! C'est Nostraminus le plus fort de la jungle! J'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné! Qui maintenant le plus fort? Nostraminus! Et en tant que plus fort de la jungle, je prédis que si vous restez une seconde de plus sous ma branche, je vous écrabouille tous!
Merci, les as de la jungle. Grâce à vous, je vais retrouver le calme et la tranquillité. Hé hé, mission accomplie, les amis. Bon, ben, on rentre, hein. Allez, salut, Nostraminus. Salut, les as. Et merci pour les bananes, Nostratitus. Bon, ben, moi, j'aurais pas trouvé la mouche dorée géante.